Hello and welcome back to the Media Box. I'm Charles Amponta. You join us here at the Congress of Local and Regional Authorities in Strasbourg, a rainy Strasbourg today. But here to brighten up our day is Karl-Heinz Lamberts. He is the Minister President of the German-speaking community and Minister for District Authorities in Belgium. Hello, welcome along to the Media Box. Bonjour. Bonjour. Our first topic here, transfrontier cooperation in Europe. Why do we need it at all? What is it? La coopération transfrontalière est quelque chose de très fondamental pour l'Europe. Pourquoi? Quand on dit transfrontalier, on dit aussi frontière. Et alors les frontières sont très souvent des cicatrices de l'histoire. Et en tout cas, les frontières sont quelque chose qui sépare. Alors que l'Europe, que ce soit l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, l'Europe est quelque chose qui peut unir. Alors si vous avez autant de membres, que ce soit des États, des régions ou d'autres collectivités territoriales qui doivent s'unir, se rapprocher, alors vous avez un phénomène qu'on peut comparer à la physique. L'ensemble sera toujours aussi fort que le point le plus faible où les joints ont été faits. Si vous avez une pièce en métal, une fusée, il y a des histoires dramatiques en la matière, que vous composez, le tout n'aura la force que du point le plus faible en soudure. C'est pour ça que d'ailleurs qu'un soudeur est un métier si apprécié. Les frontières sont ces soudures-là aussi, et c'est pour cela aussi, et surtout peut-être que les frontières sont importantes et que la coopération transfrontalière est fondamentale. Il faut faire trois choses. Il faut d'abord connaître ces frontières. C'est comme chez l'homme. Il faut les découvrir. Comme enfant, vous découvrez votre différence par rapport à votre mère, et c'est à ce moment-là que vous devenez vraiment une individualité propre. Mais vous devez aussi accepter vos frontières, sinon vous allez vers le délire. Et enfin, vous devez toujours essayer chaque jour un peu plus et d'une autre manière dépasser vos frontières. C'est aussi ça la vraie signification de la coopération transfrontalière. Et pour terminer, je dirais, c'est un changement de paradigme. Quand des gens vivent autour d'une frontière, ils se retrouvent avec le regard vers leur capitale respective, dos à dos. Avec la coopération frontalière, ils tournent de 180 degrés. Ils ne sont plus dos à dos, mais ils sont du visage à visage, les yeux dans les yeux. Et ça change complètement les relations. C'est pour cela que d'ailleurs, je considère la coopération transfrontalière comme un sujet aussi passionnant. Merci pour l'explication. Maintenant, nous sommes dans le milieu d'une crise économique en Europe, en Italie, Grèce, Portugal, Espagne, Royaume-Uni aussi, Irlande. We have cuts to budgets as well, at national and indeed territorial level as well. Could this be a threat, would you say, to activities which should bring Europe closer together? Nous sommes partout en crise. Il y a des pays qui le sont plus que d'autres, ou qui le sentent aujourd'hui, alors que d'autres le seront demain. Et cette crise est très fondamentale. C'est un phénomène qui est partiellement lié à la mondialisation, mais c'est aussi lié à une dissociation progressive de l'économie réelle et des flux financiers. Il y a un grand défi mondial à soulever. Et c'est aussi compréhensible qu'en temps de crise, tout le monde fait le repli sur soi. C'est une réaction normale. On peut la comprendre. Mais aussi normale qu'elle soit, elle est fausse. Et elle ne conduira pas vers des solutions. C'est justement en temps de crise qu'il faut oser la coopération. C'est pas simple. Et avec moins d'argent, c'est encore plus difficile. Mais la coopération transfrontalière, tout comme l'intégration européenne et la coopération entre les États, n'est pas et ne doit pas être principalement une question d'argent. C'est beaucoup plus. Mais c'est aussi une question de l'argent. Mais en temps de crise, il y a encore plus de raisons de mettre les efforts en commun
de gérer les problèmes au niveau où on peut aussi avoir une chance de les résoudre, et c'est rarement le niveau national. Et c'est en coopérant au niveau européen que nous avons plus de chances de sortir de la crise qu'en nous retournant vers une politique de repli. L'Europe n'est pas la source du problème, l'Europe est un élément de solution. D'accord. There are many different models that we know of trans-border cooperation that already exist in Europe at the European level. Now, the Congress supported, for example, the creation of the Adriatic and the Black Sea Euro region. 2 years ago, the European Union adopted that model of the so-called macro regions. Could you comment on that particular initiative? Bien volontiers. D'abord, il faut dire que le Conseil de l'Europe a soutenu des efforts de coopération transfrontalière depuis très très longtemps. Ça a commencé dans les années 60 du siècle dernier. D'ailleurs, hier, à l'Assemblée plénière, nous avons pu commémorer le 30e anniversaire de cette fameuse convention de Madrid, qui est la convention cadre pour la coopération transfrontalière des collectivités territoriales. Et tout au long des décennies qui se sont suivies, le Conseil de l'Europe a été toujours à la pointe de cette coopération transfrontalière par de nombreuses initiatives, et notamment dans la mer Adriatique, autour de la mer Adriatique et autour de la mer Noire, des endroits particulièrement stratégiques pour ce genre de coopération. Mais si on observe, le paysage de la coopération transfrontalière, on est vraiment impressionné par la diversité. Il y a en tout quelque 200 entités de coopération transfrontalière au sein et aux frontières extérieures du Conseil de l'Europe. Et chacune a sa particularité, sa spécificité, son histoire. Mais chaque fois, il y a en commun qu'on essaye de coopérer vraiment et de dépasser les frontières. Alors, il y a 3 générations de coopération. D'abord, on essaye d'abolir les frontières. C'est le pont, c'est le tunnel, ou c'est la frontière, par exemple, le rideau de fer qui disparaît. Et des gens qui ne pouvaient pas se voir, ou se voir que sous de très grandes difficultés, ont les possibilités de communiquer beaucoup plus simplement. C'est la première génération, c'est celle qui est le plus visible. Et puis commence autre chose. La mobilité se fait, les gens passent la frontière vraiment facilement, et puis ils découvrent des problèmes inattendus. Parce qu'en passant la frontière, on entre dans un autre régime juridique. Et on a un tas de problèmes qu'on ne voit pas à l'œil nu et tout de suite, mais qui se manifestent dès qu'il y a une difficulté. Par exemple, quand vous travaillez... Pourquoi ? La raison est très simple. La raison de la difficulté, c'est toujours la différence entre les systèmes nationaux. Quand vous travaillez dans un pays et vous habitez dans le pays voisin, vous avez une énorme complexité au niveau fiscal, de la sécurité sociale, du droit au travail, des congés payés, des modalités de travail et autres. Quand vous achetez un bien dans un pays et vous l'utilisez chez vous, peut-être vous avez oublié que le droit de la responsabilité des produits est différent dans votre dossier et dans votre pays et dans celui où vous avez acheté. Il y a énormément de problèmes de compatibilité. Alors, la deuxième génération de coopération transfrontalière, c'est de créer des compatibilités. Ça, c'est un vrai travail de bénédictin. Là. C'est tous les jours quelque chose de nouveau. Il y a des choses qu'on peut régler par l'harmonisation, mais d'autres sont vraiment à régler par des accords bilatéraux ou par de l'attitude un peu intelligente. C'est vraiment très complexe. Et puis, il y a une troisième génération. C'est ce que j'appelle la génération des coopérations transfrontalières dans des aires territoriaux intégrées. Là, on commence à considérer la région transfrontalière comme un ensemble, et on se pose la question, mais comment pouvons-nous un peu organiser ça en termes de transport public, de planification territoriale? Et alors là, on a souvent le débat sur les zones transfrontalières métropolitaine polycentrique. Voilà un très beau mot qui est souvent utilisé et qui s'applique d'ailleurs notamment au Haut-Rhin, où nous nous trouvons maintenant ici, en étant à Strasbourg. Voilà un peu la diversité
et on peut encore continuer. Il y a un grand souci quand on veut faire des comparaisons. Il faut se méfier des comparaisons rapides. Il faut vraiment voir, est-ce que je suis dans une région frontalière grande, petite, moyenne? Est-ce qu'il y a des frontières géographiques difficiles, ou est-ce que c'est seulement une frontière politique, mais qui peut être difficile quand elle a changé dans le temps? Et puis, il faut voir aussi, est-ce que je suis au sein de l'Union européenne, dans une ancienne frontière intérieure, dans une nouvelle frontière intérieure, dans une frontière extérieure, qui souvent, pour le Conseil de l'Europe, est d'ailleurs une ancienne frontière intérieure, ou toujours une frontière intérieure, ou est-ce que je suis dans une frontière extérieure, ou est-ce que je suis quelque part où il n'y a aucun lien avec l'Union européenne. Donc là, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont aussi une très grande complémentarité. C'est la raison pour laquelle je plaide avec beaucoup de force pour une coopération entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe en général, le Comité des régions et le Congrès en particulier, sur ce thème de la coopération transfrontalière. Mais néanmoins, nous avons beaucoup de progrès dans les directions pour l'Europe. Oui, il y a, je dirais, non seulement chaque année, il y a chaque jour des progrès. Il y a chaque jour des gens qui se sont engagés pour améliorer la coopération transfrontalière et qui parfois connaissent des échecs, mais parfois connaissent aussi des réussites. Et ce sont surtout les réussites, évidemment, qui sont motivantes pour continuer. Mais on peut dire aussi que la coopération frontalière, justement parce qu'il y a ces trois générations, est un peu une never-ending story. Dès que vous avez réglé un problème, vous allez en découvrir de nouveaux. Et ça, il faut le savoir. Et les problèmes faciles à régler viennent au début. Ceux qui restent pour la fin sont parfois très difficiles. Alors, c'est parfois avec beaucoup de persévérance et de courage qu'il faut les aborder. Il ne faut surtout pas perdre le dynamisme. D'accord. Finalement, vous êtes ministre-président de la communauté allemande en Belgique. How do you address and how do you assess the role of languages when it comes to cooperation between and intra-borders? D'abord, sur la Belgique, peut-être un petit mot. La Belgique étant un petit pays, c'est un pays qui est caractérisé par une grande diversité. Et les trois communautés linguistiques sont évidemment un élément de cette richesse. Mais c'est aussi une source de difficulté. On a difficile à trouver un optimum sur l'organisation de notre pays avec les différentes entités fédérées, et on est en train de trouver des accords maintenant qui vont un peu vers une Belgique à quatre, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la petite communauté germanophone. Mais ce qu'il y a en intra-belge, c'est pour ça que j'en parle ici, ce sont les frontières linguistiques, et elles sont parfois plus difficiles à dépasser que les frontières étatiques. Et je le vis vraiment dans ma région parce que je me trouve entre Liège et Aix-la-Chapelle, ou Cologne, avec des voisins très différents. En intra-belge, les francophones, un peu plus loin les flamands, au nord, le royaume des Pays-Bas, au sud, le Grand-Duché de Luxembourg, et à l'est, la République fédérale d'Allemagne, avec deux Länder différents, la Rhénanie-Nord-Westphalie et la Rhénanie-Palatinat. Donc au point de vue de langue, je suis avec mes voisins qui parlent le luxembourgeois, le français, le néerlandais et l'allemand. Et pour moi, la formule est archi simple, mais peut-être difficile à réaliser vraiment. Mais j'y tiens vraiment avec force. La seule façon de bien réussir en coopération frontalière, c'est de se mettre en situation pour comprendre la langue du voisin. Si on peut la parler, c'est encore mieux. Mais il faut au moins la comprendre. Et moi, je plaide partout où je suis invité pour parler de coopération transfrontalière. La première chose que vous devez faire, c'est d'apprendre la langue de votre voisin pour que chacun puisse s'exprimer dans sa langue. Ça, c'est un pas énorme et c'est un pas pour moi décisif, parce que on peut évidemment faire des réunions en anglais ou en une autre langue, mais le cœur, le sentiment, l'intimité, la conviction, la tradition, la culture de quelqu'un, il va toujours l'exprimer authentiquement dans sa langue maternelle. Et c'est ça la véritable richesse de la coopération transfrontalière.
D'accord. Merci beaucoup pour les explications et pour l'entretien aussi. That is Karl-Heinz Lamberts. He is Minister President of the German-speaking community and Minister for District Authorities in Belgium. That's it from the Media Box. Join us again soon.